Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors, si c'est ta première fois, je t'invite à juste t'abonner sur cette chaîne. C'est une mission que nous faisons ici sur cette chaîne où nous prenons un verset et nous décortiquons ce verset ensemble. Alors je t'invite juste à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et Dieu te bénira pour ça. Alors tu peux me donner ton avis aussi en commentaire et moi je vais te donner mon opinion sur le verset et toi aussi tu peux aussi faire autant. Nous allons décortiquer ce verset qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons que Dieu est le péché. Il ne est pas le pécheur, mais il est le péché. C'est-à-dire que ce que Dieu n'aime pas que nous faisons là, il est ça. Alors il entend de dire que le salaire de ce que je hais là, c'est la mort. Donc, si tu es mon enfant, je te donne un don gratuit, la vie éternelle. Donc, si je te donne la vie éternelle, c'est-à-dire que tu dois aimer ce que j'aime et tu dois aussi détester ce que je déteste. En tant que chrétien, nous avons un devoir à faire, c'est de détester ce que Dieu déteste et d'aimer ce que Dieu aime. Ok? Alors, il a dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a deux types de morts. Tu es en train de parler de deux types de morts. Le salaire du péché. Le salaire de ce que Dieu déteste. C'est la mort. Donc gratuit que Dieu donne. C'est la vie éternelle. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Dieu veut à ce que tout ce qui est en nous puisse vivre. Dieu veut à ce que notre intelligence puisse vivre. Dieu veut à ce que nos finances vivent. Dieu veut à ce que tout ce que nous faisons vivre, c'est son don gratuit qu'il nous a légué en tant que père. Alors si tu aimes ce que Dieu déteste, tu ne bénéficieras pas de ce don-là. Et quand tu es ce que Dieu est, tu bénéficieras de ce don. Donc, à la loupe de la parole d'aujourd'hui, c'est de nous exhorter à commencer déjà à détester ce que Dieu déteste. À commencer déjà à renier ce que Dieu déteste. À commencer déjà à abandonner ce que Dieu déteste, bien-aimé. Parce que quand tu commences à faire ceci, tu bénéficieras du don gratuit de l'Éternel. Et tout ce que tu feras prospérera. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir regardé à la loupe de la parole avec votre sœur Graciela. Shalom, à nous revoir prochainement.